quand je suis rentrée en France après 17 ans, après avoir vécu 17 ans en Guyane, ben, j'ai réalisé en fait beaucoup plus fortement la crise climatique, la crise de la biodiversité. Quand je suis rentrée, il n'y avait plus rien. C'était vide. Je parle toujours des hirondelles, mais c'est juste une image, hein. Et il n'y avait plus de fils qui pendaient sous le poids des hirondelles, quoi. Et c'était catastrophique. Il y avait un effondrement qui était, mais visible, que je ressentis vraiment dans ma chair, et ça m'a fait pleurer. C'est dramatique, en fait, c'est dramatique. En 1949, l'Abeille de France, bulletin mensuel édité par le Syndicat national de l'apiculture, alerte ses lecteurs sur le grave problème des insecticides. En 1947, l'apiculture française fut victime des pesticides. En 1948, les dégâts furent beaucoup plus importants. Il est à prévoir que, dans certaines régions, en raison de la progression des cultures de colza, surtout par les grandes exploitations agricoles et des efforts de l'administration pour encourager et faciliter les traitements au printemps prochain, les dégâts aux ruches seront très graves en 1949. En 2018, c'est le Centre national de la recherche scientifique qui alerte sur la disparition des oiseaux des campagnes françaises. En cause, certains pesticides qui les empoisonnent directement, mais également la disparition des insectes qui leur servent de nourriture et qui sont décimés par les intrants chimiques. Enfin, l'extension de la monoculture et la disparition de la diversité des milieux naturels qui l'accompagnent est également pointée du doigt. En juin 2021, c'était l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui analysait plus de 5300 documents issus de la littérature scientifique internationale pour établir les liens entre exposition aux pesticides et effets sur la santé. Dans ses conclusions, l'Institut exprime sa présomption forte d'un lien existant entre l'exposition professionnelle aux pesticides et plusieurs cancers, la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs et des maladies respiratoires. Destruction des abeilles domestiques, disparition des oiseaux sauvages, empoisonnement des sols et effets néfastes sur la santé. Mais alors, pourquoi utiliser des pesticides? Le service communication de Bayer Crop a entrepris de nous donner quelques réponses sur son compte YouTube avec une conception un peu étrange de la pédagogie. C'est bien vous. Vous êtes ce qu'on appelle une personne factuelle. Vous aimez juste les faits. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter les 5 éléments les plus impressionnants au sujet de la protection des récoltes. Ouais, ces super substances qui gardent nos jardins et nos récoltes en bonne santé et en pleine force. Alors, pas encore l'eau à la bouche? Ok, on vous promet de faire court et aussi chou qu'un bébé chat. Ok, alors on y va. Épargnons-nous la suite. Les arguments développés dans cette vidéo sont les suivants. Les pesticides ont permis l'essor de l'agriculture dans les pays en développement. Ils sont nécessaires pour nourrir les 10 milliards d'êtres humains que nous serons en 2050. Et ils empêchent la destruction des récoltes. Que valent ces arguments? Les pesticides, malgré tous leurs défauts, sont-ils indispensables à l'alimentation humaine? Ou ce bébé chat sert-il malgré lui de couverture à un gros mensonge? Mon nom est Olivier de Scutter, j'étais entre 2008 et 2014 rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation et depuis 2015, je co-préside le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, IPES Food. En 2011, Olivier de Scutter rendait un rapport auprès de l'ONU pour répondre à une question simple. L'agroécologie peut-elle nourrir le monde? Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'agroécologie? Il y a dans les débats publics une grande confusion autour des questions d'agroécologie, d'agriculture biologique, d'agriculture conventionnelle ou chimique. Il est très important que le public comprenne que l'agroécologie, c'est un ensemble de techniques agronomiques qui permettent de réduire l'usage des intrants dans l'agriculture, qui permettent de reconstituer à l'échelle de la parcelle les cycles naturels qui sont ceux des écosystèmes qui nous entourent, qui permet donc de produire à moindre coût et en ménageant les écosystèmes autant que possible. C'est un ensemble de bonnes pratiques en matière agronomique dont on a aujourd'hui, au XXIe siècle, besoin plus que jamais.
Loin d'être un modèle agricole seulement conçu dans des bureaux d'intellectuels, l'agroécologie s'incarne dans des fermes, dans des pratiques, dans des personnes. Je m'appelle Philippe Pierre, je suis paysan Nature et Progrès depuis... installé 2006 et sous mention Nature et Progrès depuis 2009. Nature et Progrès, c'est la première association qui s'est mobilisée pour, face au boom de l'agro-industrie et de l'agrochimie en France, pour défendre le slogan de départ, notre santé et celle de la terre. Je suis paysan confiturier, donc ça veut dire que notre modèle, on l'a construit comme ça, c'est-à-dire qu'on produit la moitié des fruits qu'on travaille et le reste, on le fait en cueillette sauvage. Donc, mais on cueille tout ce qu'on transforme et on transforme tout ce qu'on cueille. La ferme de Philippe Piard existe depuis 2006. Aujourd'hui, elle fonctionne sans intrants chimiques, sans fertilisants ni pesticides de synthèse. Un modèle qui tend à se répandre dans d'autres fermes en France, comme dans celle de Benoît Biteau, agriculteur et député européen. Ce qui m'intéresse, c'est de pousser au plus loin des pratiques agronomiques qui permettent aux agriculteurs de continuer de produire en quantité suffisante, en qualité suffisante, sans hypothéquer la possibilité de le faire dans la durée. Et donc, ça nécessite d'investir dans des logiques de préservation d'acteurs de l'agriculture qui sont fondamentaux, comme la fertilité du sol, par exemple. Sur sa ferme, Benoît Biteau combine les apports scientifiques de l'agroécologie et les apports pragmatiques hérités du bon sens paysan pour développer une production de culture et d'élevage variés, sans intrants chimiques, sans pesticides de synthèse, sans irrigation de masse. Il est parti, à la fin des années 2000, d'une exploitation en agriculture intensive pour arriver aujourd'hui à un fonctionnement complètement agroécologique. Ces fermes modèles sont-elles dans le même temps des modèles de fermes généralisables à l'ensemble de la production agricole, ou sont-elles des niches condamnées à rester des initiatives marginales et locales ? Il y a plusieurs obstacles à ce que l'agroécologie puisse changer d'échelle. Et un premier obstacle, c'est que pour les agriculteurs et agricultrices qui s'inscrivent dans des chaînes longues d'approvisionnement, dans des chaînes longues de production, les demandes des acheteurs de matières premières agricoles sont difficiles à satisfaire par l'agroécologie. Les acheteurs, que veulent-ils ? Ils veulent des produits agricoles homogènes, uniformes. Ils veulent des économies d'échelle pour réduire les coûts. Généraliser une agriculture sans intrants chimiques et sans pesticides nécessite donc non seulement de transformer la production agricole, mais également les filières de distribution de cette production. Pour cela, de nombreuses initiatives existent, mais leur portée reste limitée. Aujourd'hui, on constate en Europe, au fond, le développement très impressionnant de systèmes agroalimentaires locaux, territorialisés. On a, dans toutes les régions d'Europe, des circuits courts qui se développent, l'équivalent des AMAP, des groupes d'achat communs, etc., qui se développent. Et on a, en réalité, des alternatives plus nombreuses qui s'ouvrent pour les producteurs. Et du coup, la transition vers l'agroécologie devient plus facile grâce à cette pluralité de circuits de commercialisation. Mais cela ne va pas assez vite. Et le problème, c'est que ces initiatives, très souvent, demeurent locales, poussées par des organisations non gouvernementales ou des militants de la cause de l'écologie, et pas suffisamment par les États ou les régions. Donc on a besoin que cette question soit davantage politisée, qu'elle devienne un enjeu des politiques gouvernementales. Les producteurs fonctionnant en agroécologie peuvent donc rencontrer des difficultés à écouler leur production, surtout si les politiques publiques ne s'engagent pas clairement à leur fournir des débouchés. Mais lorsque ceci existe, les avantages, y compris économiques, se ressentent pour le producteur. Sur le plan économique, les coûts de production sont sans aucune commune mesure. Donc, dans une logique agricole où on préserve un niveau de productivité élevé, qui souvent conduit d'ailleurs à une certification à l'agriculture biologique qui fait que la valorisation des produits est nettement plus favorable. Et qu'en plus, on a des coûts de production extrêmement faibles, on a trois nouveaux critères qui font que, économiquement parlant, c'est juste imbattable. Imbattable.
Ce changement de vision ne peut devenir concret que si les politiques agricoles s'engagent pleinement vers l'agroécologie. Mais il y a encore du chemin à faire. Et les gouvernements craignent de faire ce pari, on est dans un cercle vicieux où ils n'osent pas investir dans l'agroécologie, ils n'osent pas faire le pari de l'agroécologie, par crainte de se tromper. Et dès lors qu'on n'investit pas dans l'agroécologie, celle-ci n'a pas la possibilité de faire valoir ses mérites. Et donc on reste coincé dans une trajectoire de développement agricole qui, au fond, est une impasse. Mais qu'en est-il des arguments de Bayer, qui affirmait par exemple que les pesticides sont indispensables pour protéger les cultures ? Pour protéger les plantes contre les insectes ravageurs, il y a différentes techniques qui sont utilisées. Les pesticides en sont une, la plus coûteuse, la plus dommageable pour la biodiversité évidemment, la plus dommageable notamment pour la santé des sols qui vont voir leur fertilité naturelle se réduire si on injecte trop de pesticides dans les sols et qu'on tue la vie biologique qui s'y trouve nichée. D'autres techniques existent. Et notamment la technique des cultures associées et du contrôle biologique que cela permet, qui consiste simplement à aligner différentes plantes les unes à côté des autres pour que les insectes prédateurs soient arrêtés par certaines plantes, repoussés par d'autres, de manière au fond à ne pas devoir utiliser des pesticides, ce qui est un peu l'option nucléaire, si vous voulez. On regarde comment dans la nature, on est dans un milieu un peu forestier par exemple, dans la nature, des milieux où l'homme n'intervient pas, on arrive à produire beaucoup de biomasse. Et on se rend compte que les milieux où on produit beaucoup de biomasse, dans des écosystèmes équilibrés, sont des milieux où on n'a pas d'engrais de synthèse et de pesticides. Prenons un autre argument présent dans les explications de Bayer. Nous serons bientôt 10 milliards, et les rendements de l'agroécologie ne permettraient pas de nourrir tout le monde. L'agroécologie, contrairement à un préjugé longtemps ou souvent répandu, est parfaitement capable de relever ce défi. D'où vient le malentendu ? Le malentendu vient de ce que on mesure souvent la productivité au départ de la question de ce que 1 hectare peut produire d'une espèce déterminée. Par exemple, est-ce qu'on peut produire sur 1 hectare non pas seulement 3 ou 4 mais plutôt 11 ou 12 tonnes de maïs ? Et c'est en ces termes-là que la question est généralement posée. Et c'est vrai que des cultures qui suivent les prescrits agroécologiques vont produire moins de maïs à l'hectare. Pourquoi ? Parce que le maïs sera associé à d'autres cultures, mais qui, elles aussi, devraient être prises en compte dans les calculs de l'output total, si vous voulez, que la parcelle cultivée ou que l'hectare cultivé produit. Et si on considère cet output total avec toutes les cultures qui sont intégrées dans ces mélanges de cultures, l'agroécologie est extrêmement productive. Elle est non seulement extrêmement productive à l'hectare, mais en plus, elle est beaucoup plus productive que l'agriculture conventionnelle si on tient compte de ce qu'elle a besoin, de beaucoup moins d'intrants. En d'autres mots, le bénéfice net de la production agroécologique, c'est-à-dire production moins énergie requise à titre d'intrants, est nettement supérieur, le bilan est nettement supérieur que celui de l'agriculture conventionnelle. Qu'en est-il, alors, de l'idée selon laquelle les pesticides ont permis l'essor de l'agriculture dans les pays en développement ? Grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a augmenté très rapidement, la mortalité infantile a été très nettement réduite, et donc on a assisté à un boom démographique très impressionnant dans les années 50 et 60. Et pour faire face à cela dans l'urgence, on a transposé les techniques de la révolution verte d'Europe et d'Amérique du Nord dans les pays en développement, Amérique latine, mais surtout Asie du Sud à l'époque, et on a boosté la production à court terme grâce à cela. Mais le prix est exorbitant de ces choix aujourd'hui, en termes de perte de biodiversité, en termes de pollution des nappes phréatiques, en termes de marginalisation des petits agriculteurs qui ne pouvaient pas bénéficier de cette révolution technologique parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'emprunter pour acheter un tracteur, parce qu'ils n'avaient pas des parcelles de terre suffisamment importantes pour faire des économies d'échelle, etc. Aujourd'hui, avec le recul, avec 50, 60 années de recul, on doit se poser la question de savoir si les choix qu'on a faits dans les années 60 sont encore les choix qui conviennent aux défis qu'on affronte au 21e siècle. La crise écologique, climatique et environnementale de notre époque appelle une transition vers l'agroécologie
et donc la sortie d'une agriculture basée sur les intrants chimiques et les pesticides de synthèse. Mais une fois cela dit, on aurait vite fait de se retrouver démunis. L'enjeu est immense. Et par où commencer ? Pour résoudre un problème complexe, dont les facettes sont multiples, il faut souvent s'attaquer à la partie la plus évidente, celle que révèle un paradoxe qui défie la logique la plus élémentaire. Et ce paradoxe, c'est encore une fois la vidéo de Bayer et ses petits chats qui va nous la fournir. Et pour finir, le numéro 1, en toute sécurité. La limite fixée par la loi pour les résidus de produits de protection des récoltes dans les aliments est si faible que si cette limite était appliquée au trafic routier, cela équivaudrait à garder une distance de sécurité de 6 km avec le véhicule précédent à une vitesse de 120 km/h. Voilà le paradoxe. Comment est-il possible, avec des standards de sécurité aussi ridiculement élevés, que l'INSERM, le CNRS et de nombreux scientifiques établissent des liens entre les pesticides et les cancers, la maladie de Parkinson, des perturbations endocriniennes et des malformations chez les nourrissons? La réponse se trouve en partie dans le système d'homologation des pesticides. Accrochez-vous à votre chaise. Les produits pesticides ne font l'objet d'aucune évaluation sérieuse de toxicité à long terme avant qu'ils ne soient autorisés sur le marché. Ça vous paraît incroyable ? C'est pourtant la Cour de justice de l'Union européenne qui le dit. Et c'est là-dessus que Secret Toxic va s'appuyer pour transformer le système actuel et pousser les pesticides vers la sortie. Alors, interview Dominique première. Est-ce que tu peux clapper, faire un taper dans tes mains ? Impeccable, merci beaucoup. Bah, commence par te présenter. Je suis Dominique Massé, actuellement donc co-président de Secret Toxic et co-président de la campagne glyphosate et faucheur volontaire et militant multicarte. Ce militant multicarte va jouer un rôle clé dans le démarrage de la campagne Secret Toxic. Mon implication sur les pesticides, très spécifiquement, est née donc d'une action de faucheur dans des jardineries. On a peinturé des centaines de bidons à base de glyphosate dans le but de les rendre impropres et surtout dans le but de pouvoir communiquer là-dessus et d'aboutir au procès. Dans le cadre d'une action de désobéissance civile, obtenir un procès est un moyen de mettre la justice devant ses responsabilités. Les militants assument leurs actes et sont prêts à être jugés pour ceci. Mais ils estiment que si leur action est illégale, elle est en revanche légitime. Leur jugement est donc un moyen risqué mais puissant pour transformer la loi en montrant que son application est plus absurde que sa transgression. Et donc en août 2017, on a eu un procès, 21 faucheurs et faucheuses. Et là, on avait décidé d'aller au procès, après avoir fait des analyses d'urine, de recherche de glyphosate, de quantification du glyphosate dans nos urines. Notre avocat avait fait la même chose. Et donc on est arrivé au tribunal avec des résultats d'analyse, en disant on est contre les pesticides et on est concerné. Donc à ce procès s'est passée une chose très forte, c'est que le tribunal, à notre demande, a interpellé la Cour de justice de l'Union européenne sur des questions préjudicielles. C'est une possibilité qui suspend le procès, puisque le tribunal se considérait n'ayant pas les informations suffisantes. C'est un peu comme les questions prioritaires de constitutionnalité. On a besoin d'interroger une structure pour pouvoir proposer notre point de vue et porter un jugement, et porter une condamnation ou pas. Le tribunal correctionnel a entièrement suivi leur demande et a saisi la Cour de justice européenne pour lui poser les quatre questions émises par l'avocat de la défense sur les méthodes d'évaluation des pesticides. Donc si le tribunal pose ces questions-là, c'est qu'il estime qu'il y a effectivement une grosse difficulté par rapport à ces autorisations de mise sur le marché, par rapport à ces pesticides qui sont insuffisamment évalués. C'est une grande première en Europe, effectivement. Il n'y a jamais eu un tribunal qui interrogeait la Cour européenne sur ce type de sujet. Et ce qui est quand même le plus important dans ce dossier, c'est qu'une petite action locale sur foi va finalement questionner la législation de l'ensemble de l'Union européenne, de tous les pays membres, et remettre en cause les autorisations de mise sur le marché de ces produits et les évaluations. Donc c'est effectivement une grande première. Donc ces questions ont été posées à la Cour de justice européenne. On y a été convoqué, on y est allé. La Cour de justice européenne a rendu son arrêt. Elle a dit
la réglementation est bonne, mais elle n'est pas suffisamment appliquée par les organismes accréditeurs et en charge de la sécurité alimentaire. L'EFSA et l'ANSES pour la France, le BFR pour l'Allemagne, etc. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne réaffirme noir sur blanc que les produits pesticides doivent être testés dans l'intégralité de leur formulation, sur leurs effets à court et à long terme, au niveau européen comme au niveau national. Les tests doivent démontrer l'absence d'effets cancérigènes ou toute forme de toxicité à long terme pour l'humain ou l'environnement de l'ensemble du produit. Donc, notre avocat nous dit, c'est simple. Si on, et c'est ce que va dire le juge, si on a ces problèmes de gens qui pissent du glyphosate, de pollution de l'environnement, de toxicité et des choses dans les bidons qui sont en plus même pas déclarés, il y a un problème qui n'est plus du coup de la réglementation, mais qui se joue dans le processus d'autorisation de mise sur le marché. Dans les procédures qui amènent à la mise sur le marché d'un pesticide dans l'Union européenne, où est le problème ? Prenons un fabricant de pesticides qui veut vendre un nouveau produit ou cherche à renouveler l'autorisation d'un produit déjà existant. Pour cela, il doit demander une autorisation à l'agence sanitaire du pays où il veut le commercialiser. Pour formuler sa demande, il va classer les différents composés chimiques présents dans son produit en plusieurs catégories. Il identifiera une substance dite « active ». C'est celle qui sera considérée comme étant la source de la toxicité attendue du produit. Car un pesticide tue, c'est sa raison d'être. Il identifiera également un ensemble de coformulants. Ces substances sont, en théorie, censées être ajoutées non pas parce qu'elles augmentent en elles-mêmes la toxicité du produit final, mais pour permettre à la substance active de conserver ou d'activer ses propriétés toxiques. Il identifiera enfin des impuretés, c'est-à-dire des produits qui sont là du fait de leur présence dans la chaîne de production, mais qui ne rentrent pas officiellement dans la composition de la formule. Un peu comme la mention « peut contenir des traces de fruits à coque » sur les boîtes de certains produits alimentaires. La liste complète des composés chimiques présents dans un produit doit être déclarée aux agences sanitaires. Mais celle-ci reste confidentielle, car elle est considérée comme un secret industriel. Il est donc impossible, pour le grand public, de savoir précisément de quoi sont composés les pesticides. À moins que des scientifiques indépendants ne fassent des analyses de leur côté. C'est ce qu'a fait Gilles-Éric Serralini et son équipe. Et ils ont découvert une réalité bien sombre. Tout d'abord, les analyses retrouvent de très nombreux composés toxiques dans le mélange, dont une bonne partie n'est probablement pas déclarée. Quand on fait des études de spectroscopie de masse, c'est une technique très poussée pour voir l'ensemble des molécules d'un mélange. On ne peut pas toujours toutes les identifier, mais on peut voir leur groupe. Et en tout cas, chaque pic est une molécule, on en voit plusieurs centaines. Alors que j'ai été dans les commissions gouvernementales, et il y en a pas plus d'une dizaine de déclarés dans un pesticide commercialisé. Et c'est bien rare si ça dépasse le tout, mais en tout cas, il n'y a pas les centaines de molécules qui existent dans le mélange. Lorsque l'équipe de Gilles-Éric Serralini s'intéresse à la composition réelle des produits commercialisés, ils y retrouvent de l'arsenic, du plomb et des métaux lourds. Ils y retrouvent également des hydrocarbures aromatiques polycycliques, un ensemble de molécules issues du pétrole, pour la plupart toxiques à différents degrés et pour certaines cancérigènes. Des produits qui se retrouvent jusque dans les produits dits de biocontrôle, censés ne contenir que des substances présentes dans la nature, comme l'acide acétique du vinaigre ou l'acide pélargonique des géraniums. Même quand on prend le bidon vert qui est censé contenir du Roundup sans glyphosate, on va retrouver ces produits. Et à vrai dire, avant de commencer l'étude, j'en étais pas sûr du tout que le produit serait toxique sans glyphosate et avec de l'acide acétique. Le résultat est en effet surprenant. Quel est l'intérêt d'ajouter un ensemble de produits toxiques à une bouteille censée contenir du vinaigre dilué, vendu une trentaine d'euros, alors que son effet herbicide est comparable à celui du vinaigre dilué ? L'hypothèse de Gilles-Éric Serralini et de son équipe est que ces produits sont issus du recyclage de déchets de l'industrie pétrochimique. Nous nous rendons compte que c'est un doux mélange de produits au hasard, c'est-à-dire que
C'est pas une recette précise, c'est pas des pics précis qui ressortent tout le temps. C'est comme si c'était des résidus ou des ordures de pétrole, puisqu'on a identifié les produits comme étant des produits, des résidus de pétrole et des métaux lourds qui sont aussi dans le pétrole. C'est comme si on avait laissé les fonds de cuve avec ces produits. On obtient à peu près les mêmes analyses quand on fait quand on passe des résidus de pétrole en contrôle. Donc c'est du pétrole brûlé apparemment, qui a été brûlé à un moment ou à un autre. Il a été chauffé, il est oxydé. Ce pétrole oxydé est utilisé pour fabriquer différents types de produits industriels. J'ai appris aussi, chemin faisant, que les résidus de pétrole servaient à faire trois choses. Par une enquête et un des livres « Poison caché ou plaisir cuisiné » que j'ai coécrit avec Jérôme Douzelet, je me suis rendu compte que les résidus de pétrole servaient à des détergents, par exemple, le plus connu dans les magasins est le White Spirit, qu'ils servaient pour extraire les gaz de schiste, parce que c'est un produit qui s'infiltre bien dans la terre et il suffit après de mettre un choc électrique pour que ça explose, par exemple, des gros rochers, et que ça permette des extractions de gaz. Et c'est ça qu'on va retrouver dans les robinets des gens, dans les villages où il y a des extractions de gaz de schiste, au Canada en particulier. Et on va se rendre compte aussi que ça sert pour, depuis longtemps, pour fabriquer des pesticides. Bien entendu, la présence de ces composés chimiques augmente la toxicité du pesticide. Gilles-Éric Serralini et son équipe travaillent depuis plusieurs décennies à comparer la toxicité de la substance active déclarée et la toxicité des produits vendus, et leurs résultats sont sans appel. Nous avons, c'est par choix, choisi de travailler sur les produits tels qu'ils étaient utilisés par les agriculteurs. Je pensais que ça n'avait pas de sens de ne pas les tester. Et j'ai dit, d'accord, on va mettre, il n'y a pas de problème, en comparaison, le produit tel qu'il est déclaré. C'est comme ça qu'en 2005, nous publions dans une thèse et dans une grande revue scientifique, Environmental Health Perspective, la comparaison glyphosate Roundup. Et nous trouvons que systématiquement, progressivement, nous publions encore, quel que soit le type cellulaire, parce qu'on pensait même au début que c'était un artefact, et je croyais dans le mythe que c'était le glyphosate qui était le plus actif, eh bien le Roundup était toujours 100 000 fois plus actif selon le type de cellule et le temps d'exposition. De nombreuses études suivent, allant toutes dans le même sens. Le produit en formulation est systématiquement plus toxique que la substance seule. À faible dose, dans des proportions tolérées en tant que résidu, le produit a également des effets de perturbateurs endocriniens. Une étude de 2014 va montrer que cette différence concerne la plupart des pesticides les plus utilisés au monde. Pour une thèse, celle de Robin Ménage, on s'est demandé si, d'un de mes étudiants, si c'était commun à tous les pesticides. C'était la question logique qui venait après. Et la réponse a été malheureusement oui. C'est-à-dire que pour tous les pesticides qu'on a passés, alors là, sur des cellules humaines, voire in vivo, les effets du produit étaient beaucoup plus importants, du produit vendu, étaient beaucoup plus importants que les effets du principe actif déclaré. Donc là, on s'est dit, il y a une malversation énorme. Cette malversation provient du système de classification entre substances actives, coformulants et impuretés. En effet, les agences sanitaires n'évaluent que la toxicité à long terme de la substance déclarée comme active par le fabricant. Ils ignorent donc les travaux de l'équipe de Gilles-Éric Serralini. Ils ignorent également le fait que certains composés chimiques peuvent être déclarés comme coformulants dans certains produits, tout en étant déclaré comme substance active dans d'autres. Ce qui est idiot, c'est qu'ils ne font jamais de test sur la substance, ou ils ne font jamais faire, parce que de toute façon, ils ne font rien. Ils prennent les tests des entreprises. Mais ils leur imposent jamais, pour donner une autorisation, de faire les tests sur la substance qu'on étudie, mais sur ce qu'ils déclarent de la substance, qui est une partie minoritaire du pesticide. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on l'a expliqué aux avocats américains qui ont gagné contre Bayer et qui les ont fait cracher 10 milliards, contre 125 000 patients maintenant. L'avocat disait, un peu comme dans la publicité du café, « Glyphosate, what else ?»
Dans le cas des composés déclarés comme impuretés, c'est encore pire. Certaines substances, qui seraient totalement interdites comme substances actives ou coformulants, sont tolérées si elles sont déclarées comme impuretés. Cela sans que l'on recherche vraiment l'explication de leur présence ou que l'on recherche à évaluer de façon expérimentale l'effet de celle-ci. Moi, si je suis paysan confiturier, si je vends une confiture, je ne vais pas dire mais l'arsenic, c'est juste une impureté de... Ben, voilà, c'est presque un peu tiré vers les cheveux, mais on pourrait tuer quelqu'un juste avec des impuretés d'arsenic qui sont contenues dans une confiture. Ça pose quand même des questions sur... Sur ce système. Un système qui, pourtant, rappelons-le, interdit la commercialisation de produits cancérigènes ou toxiques à long terme pour l'humain ou la nature et qui requiert que les agences sanitaires évaluent la toxicité de l'ensemble du produit et non pas seulement une partie de celui-ci. Alors, que se passe-t-il au sein des agences sanitaires françaises et européennes ? Dans l'Union européenne, la mission d'évaluer la toxicité des pesticides est répartie entre l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, et les agences sanitaires des États membres. Tout d'abord, l'industriel dépose une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour un produit auprès d'un État membre. Il décrit son produit, entre substances actives déclarées, coformulants et impuretés. Il en évalue la toxicité selon un protocole établi par les règlements européens. Ce sont les fabricants eux-mêmes qui donnent le produit à des animaux de laboratoire et transmettent les résultats de leurs études aux agences sanitaires nationales. Toutes ces études sont compilées dans des rapports d'évaluation qui sont analysés par les agences sanitaires. Le rapport est transmis à l'EFSA, qui est chargé d'établir la liste des substances pouvant être officiellement utilisées pour leur effet toxique, les substances dites « actives ». Le règlement prévoit également que l'EFSA se prononce sur l'effet à long terme d'une formulation représentative, c'est-à-dire d'une des versions possibles du produit qui sera vendu au final. Une fois le feu vert de l'EFSA obtenu, les agences sanitaires nationales doivent se charger d'évaluer les autres formulations possibles. Une fois qu'il est établi qu'elles ne présentent pas de risque cancérigène, les agences nationales autorisent les produits à être mis sur le marché et épandus dans les champs, les allées, les jardins. Pour secret toxique, il faut réussir à savoir où sont les trous dans la raquette de ce processus complexe, ceux qui permettent à des produits toxiques de se retrouver autorisés. Donc nous, ce qui nous a intéressé donc de comprendre, c'est le processus de mise sur le marché. Donc, il y a ce que dit la réglementation européenne et ce que dit... Puisqu'on a interpellé l'Agence européenne de sécurité alimentaire, on a aussi interpellé l'ANSES, donc l'Agence nationale française de sécurité alimentaire, pour savoir ce qu'elle pensait de cette étude et quels étaient... on leur a demandé comment ils faisaient leur travail, puisque pour eux, s'il y avait un problème ou pas. Et donc on a fini même par rencontrer, on a eu deux réunions de rencontre avec l'Agence européenne pour leur demander comment... Il fonctionnait pour étudier une mise sur le marché. En février 2021, une lettre d'interpellation signée par 119 parlementaires européens et français est envoyée à l'EFSA, leur demandant d'appliquer le règlement européen et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La lettre leur demande d'étudier la toxicité des pesticides dans leur intégralité. Cette lettre est suivie en mai 2021 d'une interpellation de l'ANSES, l'agence sanitaire française, par les associations de secrets toxiques et trois parlementaires français. L'EFSA, en réponse, propose une réunion avec les parlementaires et les représentants de secrets toxiques pour expliquer comment, selon elle, elle est en conformité avec la réglementation. Voici, en substance, leur réponse. Donc François Vaillerette pour Génération Future. Suite à toutes les explications qui lui ont été données, ce que je comprends, c'est que la façon d'appliquer... L'article 4.5, hein, mis à juste titre en avant par Axel Lofen, n'est pas de tester au moins une formulation elle-même pour les effets à long terme, mais de modéliser en fait les effets à partir des effets connus de chacun des éléments de cette formulation. Monsieur Vaillerette demande une confirmation. Je crois que oui. Quand je vous écoute, je pense que oui, vous avez bien compris le message que nous faisons passer. Tester toutes les formulations, le législateur
n'a pas pensé nécessaire ou efficace de demander que toutes les formulations soient testées. Et donc, la façon de connaître, d'évaluer les risques des formulations, c'est de faire ce que vous appelez le modeling, oui, la modélisation de la toxicité. Et ça, c'est tout notre programme de modélisation de la toxicité dans son effet cumulé et dans ses effets combinés. En somme, l'EFSA, et plus généralement les agences sanitaires, ne demandent pas d'études expérimentales de l'ensemble de la formulation, mais évalue les effets cumulés par l'intermédiaire d'une modélisation théorique. Cela pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, de très forts soupçons existent à ce stade sur le fait que l'ensemble des composés chimiques dans un produit ne sont pas déclarés. Mais même s'ils l'étaient, les données sur lesquelles se base cette modélisation théorique sont très incomplètes, car elles proviennent de bases de données qui ne prennent pas toujours en compte l'ensemble des effets toxiques des différents composés chimiques. Cette méthode, au final, ressemble à une idée de Shadok, ces personnages d'une série des années 60 dont la devise était « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Ce que j'ai appris, c'est qu'ils essayent de justifier leur évaluation, qu'ils admettront jamais qu'elle est bêtasse, mais elle l'est. Ils essayent de justifier leur évaluation en disant mais vous comprenez, nous, on fait des modélisations théoriques très compliquées. Ça consiste en des calculs savants qui ne sont pas publiés, auxquels personne ne comprend rien. Mais il faut poser cette question à la toxicologue de l'EFSA. Vous avez les tests? Ah non, ça, on ne demande pas, c'est trop difficile. Comment c'est trop difficile? Vous n'avez qu'à mettre du Roundup à la place du glyphosate. C'est quoi la difficulté? Moi, je n'accepte pas de rentrer dans les bêtises. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a une théorie géniale pour calculer la toxicité de quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est bête. On s'est aperçu d'une nouvelle faille dans le système d'homologation d'évaluation des pesticides. En plus de toutes les autres failles, eh bien, les mélanges tels qu'ils sont vendus et utilisés par les agriculteurs, les autres utilisateurs, ne sont pas évalués en tant que tels, mais voilà, qu'on a une évaluation un peu approximative de tout ça. Voilà donc comment les agences sanitaires, en Europe, sont aveugles aux effets les plus toxiques des pesticides, tout en prétendant appliquer la réglementation. Il n'y a pas un argument scientifique, même si on a besoin de savoir la dangerosité de cette molécule, de ce principe actif, mais il n'y a pas un raisonnement scientifique qui peut dire que c'est ce principe seul qui est répandu dans la nature. On sait très bien que c'est une formulation complète qui est répandue par les paysans. On sait que dans un bidon de Roundup et d'autres produits à base de glyphosate, le glyphosate c'est 40%. Le reste, c'est pas de l'eau. En décembre 2020, la campagne Secret Toxique se monte pour réclamer notamment que des études sérieuses soient réalisées sur les pesticides avant leur autorisation. Tout part d'une étude sur des produits vendus comme étant à base de composés d'origine naturelle, comme du vinaigre ou des acides gras. En 2020, donc fin 2020, Gilerac Ciralini sort une nouvelle étude sur les produits qui sont de nouveau vendus, les pesticides vendus en jardinerie. Ces produits venaient en substitution des produits à base de glyphosate, herbicides donc, et Gilerac Ciralini et Gérald Gingère ont pris les bidons dans ces jardineries en France, en Allemagne et en Pologne et les ont analysés totalement dans toutes leurs composants et se sont rendus compte que c'était une bombe à retardement au niveau toxicité. Ce qui choque alors, c'est que ces produits sont vendus avec un marketing vert qui laisse entendre que les produits sont totalement inoffensifs. L'étude de Gilerac Ciralini était extraordinaire parce qu'elle montre clairement qu'il y a des composés extrêmement toxiques présents dans des désherbants vendus d'ailleurs un peu comme des produits pas naturels mais de biocontrôle ou sûrs. Et là, des métaux lourds, des HAP, etc., cancérogènes, sont retrouvés partout. Les gens achètent un produit dans des bidons verts avec des étiquettes vertes marquées dessus biocontrôle et dedans, c'est une vraie mine de toxiques, de cancérogènes. Et tout ça non déclaré, non étiqueté. Et donc évidemment devant ça,
trois associations assez axées sur ce sujet-là, Génération Future, Nature et Progrès et Campagne Glypho, se sont dit on ne peut pas rester là-dessus, on va lancer une campagne de dénonciation et de lutte pour aboutir à ce que ces produits soient interdits, mais surtout qu'il ne puisse plus y avoir ce genre de produits qui soient mis en vente, comme c'est le cas aujourd'hui, à cause de ce défaut dans l'application de la réglementation. Comment la campagne Secret Toxique cherche-t-elle à atteindre ses objectifs ? Tout d'abord, une plainte a été déposée par 19 organisations. On porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement, fraude à l'étiquetage et fraude supposée à la déclaration. On ne sait pas, on n'accuse pas. On se dit, il y a un problème. Il faut que le parquet enquête pour nous dire où sont les responsabilités. Est-ce que la responsabilité vient du pétitionnaire, c'est-à-dire de l'industriel ? Est-ce qu'elle vient de manquement de l'agence européenne ? Est-ce qu'elle vient de manquement de l'agence française ? Enfin, il y a un problème. C'est à un moment donné, on a ces produits qui arrivent. Dedans, il y a des saloperies qui ne devraient même pas exister dans ce type de produit. Quand on nous vend un produit à base d'acide acétique, alors ce n'est pas vraiment du vinaigre, puisqu'il est synthétisé industriellement, il ne devrait y avoir que l'acide acétique, pas autre chose. Mais les associations portant l'initiative ne veulent pas s'arrêter à un simple dépôt de plainte. On avait un outil qui était l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2020, qui est un outil extraordinaire et qui peut être utilisé par plein de juristes, et qui démontre donc que l'application de la réglementation n'est pas faite au niveau des organismes qui donnent leur avis sur l'autorisation des mises sur le marché. Cet arrêt a déjà donné des résultats sur un plan juridique. Cela s'est passé dans le cadre du procès qui avait permis que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le cas des faucheurs volontaires poursuivis pour avoir peinturluré des bidons d'herbicides dans les jardineries. Le procès a donc été repris, puisque le tribunal avait les éléments nécessaires pour continuer à nous poursuivre sur destruction du bien d'autrui en Réunion. Ça s'est passé en mars 2021, tout récemment. Et là, nous avons eu une nouvelle surprise. Nous avons été relaxés. Bon, ça peut arriver. Mais c'est surtout les motifs de la relaxe. C'était pour en invoquant l'état de nécessité. L'alerte sur les dangerosités des pesticides, sur les évaluations qui sont insuffisantes, c'est écrit en toutes lettres, sur le fait qu'ils sont mal évalués, pas assez évalués, fait que votre action était légitime et en cela, elle était nécessaire. C'est-à-dire, vous avez eu raison d'agir et vous deviez agir. Il y avait urgence à agir. Là, on ouvre une brèche. Une énorme brèche. Secret Toxique cherche à s'engouffrer dans cette brèche en mettant en demeure les agences sanitaires, en France et en Europe, de se mettre en conformité avec la réglementation. L'absence de réponse, ou un refus de mise en conformité de la part des agences, ouvre la possibilité d'un recours juridique qui forcerait les agences à changer leurs pratiques pour appliquer la réglementation. Toute cette aventure de Secret Toxique, ça a été de s'allier à d'autres, hein, les pisteurs glyphosate, Nature et Progrès, etc., pour pouvoir creuser ce point-là et mener ensemble une campagne commune, rassemblant autour de ces trois associations à l'origine du projet, pour faire avancer les choses dans ce domaine. Déjà, essayer de mieux comprendre ce qui se passait. En éclairant cette faille terrible de la non-évaluation des mélanges, des formulations de pesticides, comme on dit, essayer de faire avancer les choses en dénonçant cette chose-là, mais pas uniquement en se contentant de dénoncer, en menant des actions juridiques pour faire avancer le droit et avancer les pratiques. Au niveau européen, une telle mise en demeure doit être portée par les parlementaires. Des parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et du Parti Socialiste ont répondu présents en France et en Europe et apportent leur soutien à Secret Toxique depuis ses débuts. Depuis longtemps, moi je dénonce les procédures d'autorisation de mise en marché, les autorisations d'homologation des produits qui sont utilisés en agriculture
parce qu'ils n'intègrent pas suffisamment de champs exploratoires sur l'impact de ces pesticides, et notamment sur le milieu marin. Et donc c'est là où je me reconnais dans le combat de Secret Toxique, c'est-à-dire que ce que démontre la campagne de Secret Toxique, c'est que les procédures qui siègent à la mise en marché, à l'utilisation des pesticides, ne sont pas du tout responsables par rapport à ce que provoquent ces molécules sur l'écosystème terrestre, sur l'écosystème marin, sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé. Et donc, l'intérêt de cette procédure Secret Toxique, à la lumière de certaines molécules qui sont mises en avant dans cette campagne-là, fait la démonstration que les procédures d'autorisation, les procédures d'homologation ne sont pas acceptables, sont complètement décalées par rapport à des enjeux qui sont aujourd'hui connus et qui nécessitent donc qu'on revisite en profondeur la façon dont on autorise la mise en marché de ces molécules. Le but de la campagne ne se limite pas à améliorer les conditions d'évaluation de la dangerosité des pesticides avant leur autorisation. Il est plus large et cherche à aller vers une sortie des pesticides. On voit bien depuis des années qu'on combat pied à pied alors une molécule, puisque à l'époque on était sur la molécule, substance active déclarée, on les combat pied à pied, on met 10 ans, 15 ans, 20 ans pour en obtenir l'interdiction, parce que ça fait déjà 20 ans que la toxicité est reconnue, mais il y a un tel frein, et je me dis, mais on va combattre ces molécules une par une? On va mettre 20 ans à en faire tomber une, et pendant ce temps-là, ils en ont mis combien sur le marché? Et on va jamais y arriver. Et donc je me disais, il faut qu'on puisse faire quelque chose qui nous sorte de ce combat pied à pied, molécule par molécule. Il faut qu'on puisse attaquer tout le système dans son ensemble. Secret Toxique ne cherche pas à obtenir une amélioration à la marge du système, mais une transformation en profondeur de celui-ci. Faire appliquer la réglementation et évaluer la toxicité de l'ensemble du pesticide, c'est permettre que les décisions d'autorisation soient prises avec des informations rendant compte de la réalité des produits. Cette réglementation, si elle était appliquée, même si nous, faucheurs, on est toujours convaincus qu'elle n'est pas suffisante et qu'elle a des carences, mais déjà rien que l'application de cette réglementation ferait que là, une très grande quantité des pesticides qui sont vendus et mis sur le marché actuellement dans toute l'Europe, serait invendable et serait interdit. Donc voilà, avant même d'imaginer de travailler à une réglementation plus pointue encore, déjà, la simple application de cette réglementation ferait qu'on pourrait imaginer que la quasi-totalité des pesticides de synthèse mis sur le marché aujourd'hui ne pourrait plus l'être. L'objectif de Secret Toxique est donc simple, et sa légitimité peut difficilement être mise en cause, car il s'agit tout simplement de faire appliquer la loi. Mais cette application a une portée importante et peut permettre de recentrer le débat autour de la question qui compte dans le siècle à venir. Comment amener notre modèle agricole de l'agrochimie vers l'agroécologie? Il y a un début d'aveu, on va dire ça comme ça, que ces procédures sont loin d'être parfaites. Moi, ce qui m'intéresse, une fois qu'on a fait cet aveu-là, et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à faire avancer, que ce soit par la consultation, la concertation, ou par peut-être un bras de fer, une épreuve de force, par une procédure, pourquoi pas, c'est qu'on fasse le constat des différents écueils, des différentes incohérences qu'il y a dans ces procédures d'homologation, et que, au bout du bout, on fasse évoluer la façon dont on met en marché des pesticides. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et peut-être avec un objectif peut-être utopique, mais les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui sûrement les réalités de demain, qu'on fasse le constat qu'il faut qu'on arrête complètement l'utilisation des pesticides. Là, moi je considère Secret Toxique comme une machine de guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une association avec beaucoup de gens horizontales et tout, c'est une machine de guerre pour attaquer effectivement la législation sur les pesticides. Pour autant, faut-il avoir peur des conséquences d'une telle transformation sur l'économie?
On avait fait cet exercice pendant la campagne européenne de regarder combien, si Bayer et consorts mettaient la clé sous la porte, on perdait d'emplois. On perd à peu près 30 000 emplois à l'échelon européen si ces entreprises disparaissent. Mais on a fait le travail de regarder combien d'emplois crée une agriculture qui fait référence à l'agroécologie. Et là, on crée 200 000 emplois. Et donc, est-ce qu'on continue de porter des politiques publiques qui, au bout du bout, font vivre grassement des entreprises comme Bayer, Syngenta, BASF, enfin, je ne vais pas tous les citer, ou est-ce qu'on porte des politiques publiques qui, au bout du bout, accompagnent des pratiques agricoles qui, au-delà de satisfaire le revenu des agriculteurs, au-delà de satisfaire une vraie politique de l'emploi, viennent aussi satisfaire les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité et les enjeux de la santé. Il n'y a pas le choix. Donc, je suis désolé de dire que moi, je n'ai pas de problème avec l'hypothèse que Bayer, BASF, Syngenta et consorts mettent la clé sous la porte. Je n'ai pas de problème avec ça. J'assume parfaitement cette position. On peut néanmoins être certaine et certain d'une chose. Ces entreprises vont défendre leurs intérêts avec les moyens colossaux qui sont les leurs. Et cela quand bien même ces intérêts vont à contre-courant de l'histoire. Aujourd'hui, ces entreprises investissent beaucoup dans la communication et par ces stratégies rendent le débat public confus, difficilement compréhensible. La complexité du dossier des pesticides a par exemple nécessité de produire ce film simplement pour expliquer les failles du système d'homologation des produits qui n'est qu'un seul des aspects du problème. Quand on voit la complexité de ce que peut être un recours dans ce type d'instance, le chemin est long. Le chemin est long et il ne faut pas perdre les gens en route. C'est vrai qu'on a une montagne, on a une montagne face à nous. On a quelque chose qui est installé depuis une centaine d'années au cœur de l'Union, enfin de l'Europe, et qui sont ces grosses industries et qui sont maintenant mondialisées, hein, que ce soit Monsanto, Bayer, Syngenta, Iggy Farben n'existe peut-être plus en tant que tel, mais que ce soit BASF, enfin cette industrie énorme qui fait des milliards d'euros de bénéfices sur le dos de paysans. Mais bien sûr que c'est qu'on a face à nous quelque chose de juste monstrueux. La tâche est juste énorme, mais on n'a pas le droit de pas l'amener, quoi. Souvent on nous pose la question de la faisabilité de l'abandon de l'usage des pesticides. Bon, déjà, il y a plein qui n'utilisent pas. Hein. Là, aujourd'hui, je suis dans un endroit où je suis sur un sol propre, sain, où il n'y a pas eu de pesticides étendus, et il n'y en a jamais eu, et il y en aura, j'espère, jamais. Donc il est possible de mener une agriculture sans apport de ces produits toxiques. Deuxièmement, pour moi, il y a une urgence sanitaire, on est plein dans les urgences sanitaires, mais là, c'est vraiment une urgence sanitaire très grave, et quand on est dans une urgence sanitaire de cet ordre-là, la question ne se pose plus. Il n'est pas question de savoir si on peut ou si on ne peut pas, c'est qu'on doit. Ce n'est plus de pouvoir de tergiverser, on doit. Derrière les chiffres et les études sur la toxicité des pesticides, derrière la description scientifique des maladies qu'ils provoquent, il y a des personnes, des familles, des vies qui peuvent être brisées à cause de l'exposition à ces produits. Et en première ligne, il y a les agriculteurs et les agricultrices. Pour moi, le paysan, c'est la première victime. Je vais juste donner quelques exemples. Moi, je viens de perdre un copain, là, il y a 4 jours. Il est décédé mardi 7 septembre 2021. Dégénérescence du cervelet, il est producteur de fruits, il a travaillé, parce que, voilà, en production de fruits, effectivement, c'est compliqué de se passer des pesticides. Il vient de mourir, on n'a pas voulu reconnaître ça comme maladie professionnelle. Quand on se documente, un jour, je m'en vais sur le site de Phytovictimes, je regarde le témoignage d'un paysan, cancer de la bouche, de la gorge. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il soufflait dans les buses de son pulvérisateur pour le déboucher. Je me suis pas dit, mais ce type, il est idiot. Non, je me suis dit, mais il y a des criminels qui lui ont répété toute sa vie que les produits qu'il utilisait n'étaient pas dangereux. Dans l'équipe de Secret Toxique, nous sommes toutes et tous d'accord. Nous sommes face à une tâche immense
mais impérative. Effectivement, l'adversité sera forte. Effectivement, ça ne va pas être en claquant du doigt comme ça qu'on va gagner cette bagarre-là. Mais il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Et donc, moi, je n'arrive pas à me résigner, à me dire le combat va être compliqué, l'adversaire est sérieux, l'adversaire est puissant, et donc ça va être compliqué, donc on ne le fait pas. Ben moi, ce n'est pas mon logiciel. C'est pas mon logiciel. Donc le combat, il va être rude. Le combat, il va être difficile. Il y aura de l'adversité. On a affaire à des ennemis, on va les appeler comme ça, qui ont de la ressource, mais livrons bataille. Livrons bataille. Et on verra, on comptera, comme on dit dans la campagne, chez les éleveurs, on comptera les bouses à la fin de la foire. Mais allons-y, quoi. On a aussi beaucoup d'atouts. Les scientifiques qui sont à nos côtés, qui sont eux aussi exaspérés de constater que cette utilisation de pesticides, elle se fait avec des règles qui ne respectent pas la meilleure science disponible et qu'il y a une menace sanitaire, une menace environnementale. Le principal atout étant qu'on a la vérité de notre côté. On sait très bien qu'il y a des choses absolument anormales dans l'évaluation des pesticides, notamment cette affaire des mélanges qui ne sont pas évalués. Et donc, ça va, on l'espère et on le sait, avancer dans les années qui viennent. Voilà. Dans l'histoire, de nombreux David ont gagné contre des Goliath. Devant la nécessité à agir, il apparaît évident que le combat doit être mené. Cela ne veut pas dire foncer sans réfléchir, sans tenir compte du rapport de force. Mais là aussi, l'histoire montre que ce qui fait la différence, à la fin, c'est le nombre et la force de nos convictions. J'ai envie de dire à ces gens qui sont peut-être un peu dans la résignation, qui pensent qu'on ne peut pas le gagner, eh bien, tous ensemble, on peut le gagner. Tous ensemble, on peut le gagner. Et c'est la raison pour laquelle j'implore à ce que ce sujet agricole soit placé dans un véritable débat de société, parce que là, on va embarquer les citoyens et ces grandes firmes qui représentent une infime frange de la société ne pourront pas tenir face à ces attentes sociétales, face à ces attentes citoyennes. À un moment donné, l'intérêt commun va primer sur l'intérêt individuel de quelques investisseurs dans ces productions-là. Donc moi, je suis d'un naturel optimiste, je suis peut-être un optimiste maladif, mais j'y crois. Pour finir, est-ce que tu es optimiste ? Oui, moi je suis... Alors ça, c'est une question d'abord de caractère. Je suis optimiste parce que je sais que la vérité vaincra. C'est trop gros comme mensonge. Et je suis optimiste parce que je sais que c'est un processus naturel de la science. N'oubliez pas qu'on a cru à un moment donné que le monde était plat, qu'il se finissait comme ça, qu'il y avait l'enfer dessous. N'oubliez pas qu'on n'a pas cru à la gravité. On se demandera pourquoi on pensait évaluer les pesticides si on évaluait que moins de la moitié de leur composition. On se demandera pourquoi un jour. Donc pensons plutôt à ce qu'on doit aux générations futures comme vérité et comme transparence. Vous aussi, vous pouvez y croire et vous engager de différentes manières dans la campagne Secret Toxique. Vous pouvez vous enregistrer comme soutien sur notre site web. Vous pouvez faire un don pour financer la campagne. Vous pouvez aussi rejoindre l'une des associations de la coalition et militer pour une sortie des pesticides. Tout le monde peut s'y retrouver. Ces organisations militent chacune à leur manière et des groupes sont présents dans tous les départements de France. Face à la désinformation orchestrée par les stratégies de communication de l'industrie agrochimique, notre force, c'est l'information accessible au plus grand nombre. Alors, informez vos proches de la réalité sur l'absence d'évaluation scientifique réelle de la toxicité des pesticides. Montrez ce film à vos proches. Organisez des projections débats. Exposons à la vue de toutes et tous l'absurdité d'un système agricole qui nous empoisonne, qui empoisonne la nature, alors qu'il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui de faire autrement, ensemble.